Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais te présenter ma MT-07. Voilà, je vais te présenter ma petite moto parce que c'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ben, j'ai pas réellement pris le temps de te présenter ma moto. Et je pense que c'est bien de... Attends, 30 secondes. Merci. Et merci mon ami. Voilà, donc je pense que c'est bien de te présenter la moto, même si ça fait un petit moment que je roule avec. Mais voilà, je vais tout expliquer sur la moto, ce qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté, ce que j'ai rajouté dessus, au niveau esthétique, performance, tout ça. Bon, performance, il n'y a que dalle quoi, tu vois, tout simplement. Je vais te parler des accessoires que j'ai, tu vois, notamment ces vieux leviers de vitesse là, du covering. Je vais te parler aussi de mon kit déco. Et je vais aller me mettre dans un endroit tranquille. J'ose pas trop le doubler, ce gentil monsieur en police, de la police municipale. Voilà, je suis à 40 km/h, il est à 35. Et j'ai l'impression qu'il roule doucement pour que je le double, pour qu'après il puisse m'aligner, quoi. Donc je vais éviter de le doubler parce que je crois que c'est limité à 50 ici. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais aller chercher un petit coin où je pourrais être tranquille pour tourner la vidéo, parce que quand il y a du monde, tout ça, ben, j'ai du mal à faire les choses. Je suis mal à l'aise quand il y a des gens qui me regardent pendant que je tourne les vidéos, quoi. Donc je vais essayer de trouver un coin sympathique pour la vidéo, quoi, pour t'expliquer cette vieille MT-07 qui commence à être vieille déjà, hein. Bon, ben voilà, je viens de trouver un endroit assez sympathique, assez tranquille. Il n'y a pas grand monde qui passe sur cette route, donc je pense qu'on va être tranquille pour tourner la vidéo. Voici du coup la MT-07, la petite MT-07, elle est là, voilà, donc je te la montre. Je t'ai jamais réellement montré la moto, donc du coup, voilà, je pense que c'est bien de te la montrer, te la présenter, te dire ce que j'ai installé dessus, te dire ce qu'il y avait déjà dessus, que j'ai fait dessus aussi par la suite. Je trouve que c'est bien et ça peut donner des idées à certaines personnes, donc voilà. Alors, il faut savoir déjà que c'est une MT-07 de 2019. 2019, tu la reconnais parce que la légende orange ici. La Ice Flow, il faut savoir que d'origine, je te mets la photo juste à côté, elle a le réservoir qui est de couleur un petit peu gris clair. Donc celle-ci, elle est bridée, donc en 47,5 chevaux. Je ne l'ai pas débridée, pourquoi? Parce que j'ai le permis, hein. Donc je ne l'ai pas débridée parce que ça coûte un petit peu cher. Il faut savoir que pour la débrider, cette moto-là, ben, il faut changer des pièces dessus. Donc tu comptes les pièces plus la main-d'œuvre, à part si tu le fais toi, mais bon, je pense que c'est bien de le faire par un professionnel. Et il faut aussi refaire la carte grise pour la passer en full. Donc tout ça, ça coûte des ronds, tu peux t'en sortir à peu près pour 500 €, je crois. J'avais regardé, donc ouais, c'est ça, à peu près 500 €, donc ça fait un petit peu cher. Donc j'ai décidé de la laisser brider pour la revendre plus tard aussi, comme ça au moins ben, elle sera un peu plus accessible, on va dire, pour les permis à deux. Il faut que tu saches aussi une chose, c'est que quand j'ai acheté la moto, je pensais qu'elle était débridée. J'avais une MT-07, j'avais exactement la même de la même année. Du coup, je l'ai crachée sur l'autoroute, elle est partie en épave malheureusement. Donc j'avais voulu reprendre la même et le mec, en fait, si tu veux, quand je suis allé voir celle-là, même avant par message, il m'avait dit oui, t'inquiète pas, elle est débridée. Sur la carte grise, elle est bridée, mais par contre, elle est débridée, on l'a fait il n'y a pas longtemps, machin. Bref, je fais confiance, malheureusement, je fais confiance assez souvent aux gens. Ben, du coup, je me suis rendu compte qu'elle avançait pas comme l'ancienne. Je l'ai emmené chez Yamaha, tout ça, il m'a dit non, elle est bien bridée. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu dégoûté après pour la débrider, quoi. Donc, voilà, c'est une MT-07 de 2019, bridée à 2, donc 47,5 chevaux. Et au compteur, actuellement, j'ai. Je commence à avoir pas mal parce que j'ai fait le Tour de France aussi avec. J'ai 38 622 km. Donc elle commence un petit peu à prendre de l'âge, quoi, tu vois, cette moto. Mais bon, elle est très très bien, franchement, je suis très content. C'est une moto qui marche bien. Moteur incroyable dessus, le CP2. Voilà, c'est un moteur incroyable. J'ai jamais eu de problème avec. Bicylindre en plus, j'adore le bruit qu'elle fait. Je vais te montrer tout à l'heure. J'en suis très content. Comme première moto, je pense que c'est le top. Il n'y a rien de mieux, en fait, clairement. Elle est polyvalente, au niveau position, tu es très bien dessus. Franchement, j'ai rien à dire à part le châssis, les suspensions. Bon, c'est un petit peu limité, mais bon. Oula! Il envoie du pâté, le collègue. Voilà, alors ce que j'ai fait dessus, niveau déjà, performance. Alors performance, il faut savoir que il n'y a pas grand-chose dessus et c'est pas ça qui va me faire gagner de la puissance. En premier, comme on peut le voir ici, c'est la ligne d'échappement. Donc la ligne ici... en inox avec la sortie carbone, donc le pot à roues que tu vois ici. Bon, malheureusement, tu vois, c'est un peu dommage parce qu'il y a ce vieux collier dégueulasse qui passe
dessus le logo. J'ai pas réussi à le pousser, donc c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Ça fait un très joli bruit. Regarde, je vais te la démarrer, je vais te montrer le bruit que ça fait un petit peu. Voilà, bon, je pouvais me permettre un petit peu de mettre des petits coups de gaz parce qu'elle est chaude. Je viens de m'arrêter il y a pas longtemps, donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je trouve que ça fait un très très joli bruit, le bicylène. Vraiment, je kiffe ça en fait, tout simplement. Voilà, ça fait un bruit incroyable et c'est ce que je recherchais du coup sur une moto, ce bicylindre. Après, du coup, au niveau des performances, du coup, ce que j'ai installé dessus, c'est un filtre à air de la marque KN. Ça coûte un petit peu des ronds, je crois de mémoire 60 €. Mais l'avantage avec ce filtre KN, en fait, si tu veux, c'est que tu le nettoies et tu le remets, en fait, tu le gardes limite à vie. Durée de vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça revient moins cher d'acheter ce filtre qui se nettoie quand tu fais tes révisions, tout ça, que d'acheter à chaque fois des nouveaux filtres. Je peux gagner aussi un petit peu de puissance avec. Bon, c'est pas la folie non plus, hein. Tu ne vas pas gagner 10 chevaux avec, mais bon, tu gagnes un petit peu, quoi. Alors, ce qu'il y avait dessus, au niveau esthétique, quand j'ai acheté la moto, alors, attends. Dessus, ce petit bouchon de remplissage d'huile pour le moteur. Ça, c'était dessus. C'est tout ce qu'il y avait dessus, clairement. Il n'y avait que ça dessus quand j'ai acheté la moto. Il y avait des vieux autocollants dégueulasses ici en plein milieu. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai tout dégagé en fait. Après, ce que j'ai fait dessus, j'ai installé ici, comme tu peux le voir, petite poignée d'accélérateur. Voilà, j'ai pris la paire MT07 de couleur un petit peu rouge comme ça. Le rouge, il est parti avec le temps un petit peu. Et la couleur, elle est partie un peu, c'est pas grave. J'ai pris les leviers ici. J'ai pas payé ça cher, hein. En tout, je crois les deux, j'en ai eu pour peut-être 50 €, je crois, un truc comme ça, grand maximum. Je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Mais je pense que c'est ça. Ici, j'ai pris le petit capuchon qui va bien, de la même couleur aussi. Bon, la couleur, elle est plus partie sur le capuchon que sur les poignets. Au niveau des petits accessoires, pareil, j'ai pris ici le petit capuchon du frein arrière. Après, j'ai pris ça aussi, j'ai pris le petit capot là, du liquide de refroidissement. À la base, il est dégueulasse en fait, il est tout noir. Donc j'ai mis celui-là, MT07, enfin 07 du coup. Après, j'ai changé du coup ici le cache du pignon de sortie de boîte. Donc à l'origine aussi pareil, c'est une cache qui est noire. Je l'ai dégagé, j'ai mis ça, je l'ai trouvé sur AliExpress pareil, avec le signe Yamaha comme ça, rouge. C'est exactement la même couleur que les leviers et les poignées, quoi, tu vois. Au niveau des jantes, pareil, j'ai fait un petit changement. Ici, je me suis collé des petits stickers MT07, avec le liseré ici qui fait tout le tour. Bon, elle est dégueulasse la jante, franchement, regarde pas trop, je ne l'ai pas nettoyée. On s'en fout, j'ai pas eu le temps. J'ai fait exactement la même chose à l'avant. Pareil. Ici, cette pièce-là, j'appelle cette pièce-là moustache. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon, ça ressemble fortement à une moustache, quoi. Tu vois, regarde de près. On dirait une moustache. Donc d'origine, cette pièce-là, elle est grise, claire, comme les caches du réservoir. Donc je l'ai peint à la bombe, par contre. De couleur un petit peu rouge, avec un dégradé orange ici qui revient sur le côté. Et ça rappelle un petit peu la couleur des jantes. C'est exactement la même couleur. J'ai installé une petite bulle que j'ai trouvée sur AliExpress ou Amazon, un truc un peu comme ça. Assez sobre, assez discrète. Ensuite, ici, j'ai rajouté, ça y était pas, deux sorties d'USB pour brancher mes accessoires, le téléphone, tout ça. Ça, j'ai acheté sur Amazon, pareil. Au niveau des feux, alors les feux, j'ai changé les ampoules. J'ai mis les ampoules comme ça, blanches, à LED. Voilà, ça fait comme ça. Ça fait un peu plus sympa, je trouve. En fait, si tu veux, voilà, clairement, ça amène un petit côté de frais à la moto. Parce que le jaune, ça fait un petit peu ancien. Bon, par contre, il y a un truc là-bas, là, fais voir. Voilà, impeccable. Donc voilà les petits feux ici blancs à LED. Du coup ça amène une petite touche comme j'ai dit de nouveauté sur la moto.
Ça fait pas trop ancien, jaune. Puis jaune, clairement, tu vois rien du tout avec. Donc là, vraiment, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Après, ici, la grille de radiateur avec l'écriture MT07 là, je trouve qu'elle est discrète. Voilà, je trouve qu'elle est discrète. Elle est belle. Après, j'ai écrit. Ah, ça y est, repart l'autre. Donc en fait j'ai créé un pochoir et du coup j'ai peint la bombe Evasion Time sur la grille au milieu, je trouve que ça fait sympa. J'ai fait un dégradé comme la moustache ici. J'ai changé du coup les clignotants. J'ai enlevé ceux d'origine et j'ai mis ceux-là. Tu vois, ils sont vraiment petits, regarde par rapport à mon doigt. C'est des clignotants séquentiels. J'ai mis les warnings. Tu vois, donc vraiment, ils sont super stylés, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Donc ça, c'est les clignotants séquentiels de la marque Shaft. Je les ai achetés sur la bécannerie. Et j'ai installé exactement les mêmes à l'arrière. Je sais pas si on va les voir ou ouais, on les voit. J'ai mis les gants ici pour la plaque, mais on les voit quand même. Tu vois. J'ai mis une plaque personnalisée. Bon, perso, tranquille, on va dire. Et là, j'ai écrit ici mon nom. Du coup, Evasion Time avec le signe Yamaha, là. Le petit logo Yamaha. Et là, j'ai mis un petit palmier ici avec le soleil. J'aime bien les palmiers. Après, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé ici la protection de la chaîne. J'ai enlevé celui d'origine, j'ai mis celui-là. J'ai installé une grosse pièce ici, donc le sabot moteur. Au départ, je voulais prendre le Air Max, mais bon, le Air Max, il coûte quand même 300 euros, je crois, encore aujourd'hui. Et vraiment, ben, je ne le trouvais pas joli. Pour ça, j'ai trouvé celui-là, en fait, sur Internet. Je l'ai payé 80 euros et je pense que vraiment, il est plus joli que le Air Max. Il est énervé. Regarde là, ici, là, cette finition, elle est énervée. Bon, là, il est très sale, quoi, tu vois, le sabot moteur. Il faut savoir qu'avec ce sabot moteur, il va de 2013 ou 2014, je m'en souviens plus, jusqu'à 2019. Après 2019, tu peux plus l'installer. Les cotes de fixation pour installer le sabot, ben, ça ne correspond plus. Après, peut-être que tu peux te démerder pour fabriquer des choses et tout, ouais, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais en tout cas, si tu achètes celui-là, que tu comptes le mettre sur la 2022 ou quoi, ben, tu n'y arriveras pas, quoi. Ou la 2023, c'est pas possible, tu vois. J'ai changé les rétroviseurs. Voilà, ceux d'origine, ils étaient là. Oh, ça me donne envie de faire la sieste, quoi. Tu vois, ce petit bruit d'oiseau, là. Donc voilà, les rétroviseurs d'origine, ils étaient là. Où j'ai mis le capuchon ici. Donc moi, j'en ai acheté de nouveau. J'ai acheté ceux-là de la marque Shaft. Tu vois, vraiment, ils sont stylés. Bon, attention, tu vois rien dedans. Dedans, tu vois rien, mais vraiment, ils sont stylés. C'est vraiment pour l'esthétique, pour le coup. Parce que ça tremble. Quand tu accélères un petit peu, ils font comme ça, en fait. Ils se mettent dessous. Et tu vois, ils sont très bien finis. Ils sont fins. Tu vois, ils sont très fins comme ça. Ça change, quoi, tu vois, des embouts de guidon ronds. Donc voilà, le plus gros maintenant, mais je pense que tu le vois, en fait. C'est le kit déco, du coup, que j'ai installé dessus. Il faut savoir une chose, c'est que le kit déco, avant ça, en fait, j'avais fait un covering noir mat. D'ailleurs, tu le vois encore ici. Donc, j'avais fait, à la base, un covering noir mat. Donc, j'ai recouvert toutes les pièces, en fait. Donc, cette grosse pièce ici. Cette pièce-là, d'origine, elle est noire derrière. Donc, ça, j'ai rien changé. L'autre côté, pareil. Ça, d'origine, c'est comme ça. J'ai fait cette pièce-là aussi de couleur noir mat en covering derrière. Pour avoir une première couche. Celle-là de pièce, elle est noire aussi. Donc en fait, j'ai fait que ça, clairement. En noir mat, les deux côtés et ici. Sur le noir mat, du coup, j'avais fait un kit déco. Enfin, j'avais fait des morceaux, du coup, de couleur dans le même style. Donc j'avais fait rouge, orange, tout ça. Et j'avais collé plein de petits morceaux pourris, en fait, si tu veux, dégueulasses sur le noir mat ici que tu vois comme ça. Vraiment, c'était moche. Mon premier kit déco que j'avais fait avec les moyens du bord. Donc c'était vraiment dégueulasse, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est en faisant les choses qu'on apprend. Puis après, plus tard, voilà, j'avais décidé de refaire mon kit déco. Donc ça, si tu veux, c'est des pièces que j'ai fait moi sur mesure, sur un logiciel sur Internet. Je vais pas te dire le nom parce qu'il s'est raté, je vais te montrer après. Sur ce logiciel-là, ils te mettent à disposition des pièces comme ça. En fait, c'est la vue éclatée de la MT-07. Et toi, tu as la possibilité de remplir du coup ces pièces en vue éclatée avec ce que tu veux. Tu valides ça et eux, juste ils te l'impriment. Ils t'impriment les pièces et ils te l'envoient, quoi. Donc moi, j'ai fait ça. Pour rappeler l'ancien kit déco, j'ai fait rouge, orange comme ça avec des dégradés. Bon, j'ai écrit mon nom ici avec TikTok. Là, ici, j'ai fait la même chose et c'est symétrique. J'ai marqué gros V ici. Ça, bécannerie, c'est un sticker que j'ai rajouté après. Ici, j'ai mis
un petit mot qui est complètement incroyable. Ici, j'ai mis des petits palmiers. Petits palmiers, voilà, c'est vraiment très discret, quoi, tu vois, pour le coup. Et en fait, moi, mon truc, c'est que j'adore les couchers du soleil. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ces couleurs-là. Orange en dégradé avec du rouge, tout ça. Ça me rappelle vraiment les couleurs du coucher du soleil. Là, pareil, tu vois, le petit logo V, comme ça, avec les palmiers derrière, très discret derrière. Des petits palmiers ici, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est le kit déco que j'ai fait sur logiciel. Et je vais te dire pourquoi. Je te conseille pas du tout de faire ton kit déco sur leur logiciel. C'est pour ça que je te donne pas le nom. Parce que du coup, au niveau des côtes, c'est pas bon du tout. Comme tu peux le voir ici. Tu es censé avoir une distance entre les deux kits déco, entre les deux pièces comme ça, d'à peu près 5 mm. Et vraiment, là, on n'y est pas du tout. Heureusement que dessous, j'ai laissé mon covering noir. Parce que sinon, bah, tu verrais clairement tout le gris qu'il y a ici derrière. Mais comme ça fait dégueulasse, tu as vu? En fait, je l'ai tellement chauffé avec le décapeur thermique et étiré que du coup, après, avec le temps, ben forcément, il s'est rétracté. Donc, ça fait dégueulasse, en fait. Pareil, il n'a pas tenu. L'autre côté, par contre, il a tenu. Mais là, tu vois, je pourrais l'enlever. Tu vois, ce côté-là, vraiment, il a bien tenu. Bon, il commence à buller un petit peu ici. Mais en tout cas, moi, je te conseille pas du tout d'aller voir ce site. Je te dis pas le nom. Au moins, c'est réglé, on n'en parle plus. Pareil, regarde, si tu regardes bien, ça vient pas du tout épouser les pièces. Pourtant, je l'ai bien placé, je trouve. C'est censé venir à 5 mm ici sur le côté, ça s'arrête bien avant, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Ça fait ça sur toutes les pièces, ben, sauf un petit peu le garde-boue où ça va encore. Franchement, ça passe. Donc voilà, ben, écoute, je pense que je t'ai tout expliqué sur, ben, du coup, sur cette MT-07. Si j'ai oublié quelque chose, dis-moi-le. Dis-moi ce que tu en penses du coup de cette moto, de cette MT-07. Dis-moi si c'est la plus belle MT-07 de France. Bon, je pense pas clairement, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est la plus belle et c'est ce qui est très important, c'est d'avoir une moto qui te ressemble et qui te plaît. C'est ça qui est bien quand tu as une moto, tu peux vraiment la personnaliser à fond. C'est ce que j'ai réussi à faire, j'en suis très content. Mais bon, pour tout te dire, je commence vraiment à m'en lasser en fait. Ça fait maintenant longtemps que j'ai ce kit déco, que j'ai toutes ces pièces dessus. Donc reste connecté l'ami, parce qu'il va y avoir du gros changement sur la moto dans pas longtemps. Tu vas être un petit peu choqué, je pense, de ce que je vais faire sur la moto. Je t'en dis pas plus pour le moment. Je te laisse un petit peu cogiter du coup sur ça. Dis-moi ce que tu en penses du coup de cette vidéo-là. Dis-moi si ça t'a plu. Mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi aussi surtout, parce que je vais faire des vidéos de plus en plus sur YouTube. Viens me suivre sur TikTok, l'ami, sur Instagram, donc TikTok Evasion Time, Instagram Evasion Time-07. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, quoi.